poussé, ensuite le gardien n'a pas le temps. Ah, Germain qui rate complètement, mais il y a toujours, faut qu'il y ait toujours un joueur derrière. Et ça, c'est grâce à l'offensif. Rongier qui était là, tranquillement, il a juste à pousser le ballon. La frappe était complètement éclatée, mais c'est rentré. L'entraîneur qui a le sourire et ça se comprend. C'était quoi ça? C'est quoi cette célébration? Moi, c'est pas grave. La passe en profondeur était magnifique. On va arrêter de jouer en ultra-offensif, je pense. Les ballons, mais sur cette action, ils ont joué le coup à fond. Bah, ça, c'est bien, ça. C'est bien, c'est parfait. On a signalé ce truc. Donc, on fait un rapport de bug à Electronic Arts qui ne corrigera bien entendu pas cette célébration complètement éclatée parce qu'ils en ont rien à foutre. Sans soi, au moins, il est modélisé. Allez, on continue notre salut tout le monde, bienvenue carrière dans manager, ce bouclier européen, demi-finale. Alors pour tout vous dire, ça fait un petit moment que j'ai pas joué à FIFA. Ça fait même un long moment que j'ai pas joué à FIFA. J'espère que mon skill légendaire sera toujours là. Franchement, ça fait longtemps que j'ai pas joué à FIFA. Ça doit faire plus d'un mois que j'ai pas joué. Depuis la dernière vidéo. Non, la dernière vidéo, c'est que je l'ai tourné à l'avance. Ça fait un bail. Bon, peut-être, par contre, Pierre Merguez, là, ça va pas être possible. Avec ce qui vient d'arriver là, en plus, la passe est coupée et bien défendue. Pierre Merguez, ça va pas être possible. Il faudra que je trouve un moyen de vraiment de la compétition va forcément gagner. De penser déjà de mettre les. Ouais, c'est là que ça va devenir intéressant. Les commentaires dans une autre langue. J'ai plus le truc du jeu là. Voilà un joueur que l'on va suivre vraiment de près dans ce match. On a déjà 3 buts en championnat. On ne voit pas ce qui pourrait l'empêcher d'en marquer plein d'autres. Donc j'ai mis Germain. Apparemment j'avais Radonjic avant, donc j'ai préféré me remettre un peu Germain quoi. Parce que... Ah ouais d'accord. Ah ça commence mal. Venez les amis, venez approchez-vous. Oh, ok toi là-bas je t'ai vu, t'es tout seul. T'as intérêt de le récupérer. Oh, oh quelle maladresse, attention. Il m'a fait une zambou. La défense il m'a fait une zambou. S'est fait une petite frayeur peut-être. Hiroki Sakai. Comment on met un offensif? Ok. Payet. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. De quoi mais bien. Mais bien sûr. Oh, ça a failli. Ça a failli rentrer contré. Payet vers le point de pénalty. Et le danger qui s'éloigne avec Hiroki Sakai. On change pas de côté, nous. Valère Germain. Oh, dommage. C'était bien, l'idée était bonne, mais j'ai germiné le truc. A eu chaud. Hein. Attention à ce corner bien tiré par Dimitri Payet. Il faut trouver une option disponible. Non, on a compris l'intention. J'essaie de passer dans des zones complètement inoffensives. Ah oui, j'avais oublié qu'on était dans le jeu du turbo. Qui est rendu. C'est-à-dire si tu vas vite, en fait dans ce jeu pour réussir, il faut juste avoir des joueurs qui vont vite. Allez, faut le mettre celui-là. Bon, faut avoir des joueurs à droite. Faut avoir des joueurs à droite aussi. Mais bon, quand on arrive à cumuler les deux. C'est un vrai coup dur pour l'autre équipe. En gros, c'est comme si elle commençait son match avec un but de retard. C'est exactement ça. Elle perd 1-0. C'est comme si elle commençait avec un but de retard. Mais Pierre Ménez, t'es le meilleur mon gars. T'es le meilleur mon gars. Un but inscrit en deux temps, hein, Pierre. Premier ballon repoussé, ensuite le gardien n'a pas le temps. Ah, Germain qui rate complètement, mais il y a toujours, faut qu'il y ait toujours un joueur derrière. Et ça, c'est grâce à l'offensif. Rongier qui était là, tranquillement, il a juste à pousser le ballon. La frappe était complètement éclatée, mais c'est rentré. L'entraîneur qui a le sourire et ça se comprend. Ah ouais, j'avais essayé de faire un ressemblant à Villas-Boas. Je crois que c'est un peu raté. Par contre, les têtes de souris, c'est... Bon, c'est pas grave. On va pas critiquer le jeu. Parce que j'aime bien malgré tout le côté un peu. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ah. Non, c'est pas très bien joué. Bon. Parce que là, il y avait moyen de mettre deux petites accélérations. J'étais devant les cages, je marquais. C'est pas grave. On va pas critiquer le jeu parce que malgré tout, j'aime bien jouer. Le côté arcade me plaît un peu. Bien que je préfère largement le côté un peu plus simulation d'un PES. Non, on parle pas de PES. On en parle pas. Sinon. Sinon, ça va pas le faire. Oh, la grosse occasion pour Dimitri Payet. La défense a eu chaud, c'était une belle occasion.
Tranquille. Il a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe. Les joueurs sont complètement méconnaissables, c'est incroyable. Ça c'est Alvaro, je suis obligé de regarder les noms pour savoir qui j'ai. Dimitri Payet. Ils sont complètement méconnaissables les joueurs, tu les reconnais pas, hein. C'est impossible. Si vous me dites qu'ils sont reconnaissables, peut-être Sanson est bien fait, je sais pas. Bon, là on est un peu loin mais de... Ah oui, hors-jeu. Hors-jeu, mais bien sûr, on maîtrise l'art du hors-jeu. L'art du hors-jeu, ça se maîtrise. Et nous, waouh. Oh, la passe était fort là. Sanson. Dimitri Payet. Morgan Sanson. Oh là là. Mario Benedetto. Je manque un peu de justesse. Le ballon est perdu. Dans les cages. C'est un peu dommage là. Timor. Ah, oh là là. Un ballon perdu bêtement ça. Ça n'attaque pas beaucoup le porteur du ballon en ce moment, ça reste très bas. Dario Benedetto. Oh c'est beau ça. Passe en profondeur, attention. Germain. Dario Benedetto. Oh c'est beau ça. Oh dommage. J'essaie de faire trop des gestes un peu. Il prenait clairement le chemin du but. C'est quoi ça? Ballon perdu d'un côté. Avec... Oh là là. Comme il vient. Boum. On attendait la force, on attendait la douceur. Il n'y a rien qui rentre, à part les frappes éclatées. C'est quoi ça au sol? Ah, c'est un morceau de pelouse qui s'est. Ah bon? Donc ça modélise pas les têtes des joueurs, mais ça modélise les morceaux de pelouse. Ok, d'accord. On voit les priorités. Ce sera pour le défenseur. Boum! Grosse frappe. Raté et pas qu'un peu. C'était Camara ça? Attends, c'est supposé être qui ça? C'est Camara? Non mais ça m'intrigue là, t'es qui toi en fait? 4, c'est Camara. Waouh. Oh non. En plus là, je sais pas, ils ont largement le temps de refaire, c'est juste la modélisation de visage. Après, de ce que j'ai compris, c'est à valider. Mais le moteur utilisé, là, le Frostbite, là, il n'est pas du tout fait pour la... C'est compliqué de modéliser des visages avec ce moteur. De ce que j'ai compris. J'ai peut-être mal compris. Mais voilà. Je vous dis ce que je sais de sources absolument pas sûres. Absolument pas fiables. Un peu comme font tous les journalistes, quoi. On n'a pas de source, on n'est pas sûr, mais on le dit. Selon nos informations. Ouais, c'est ça en fait, c'est du journalisme. Ouais, je suis journaliste. C'est cadeau. Chercher une ouverture. Oh là là, c'est bon ça. Duel pour la récupération du ballon. Voilà, ah, mais. Cette passe était éclatée. Oh, c'est bon ça. Selon mes informations, l'arbitre a laissé l'avantage. Ah, comme il m'a mangé lui. Mandanda, le gardien pas. À la réception de ce centre. Oh, d'accord, ça c'est pour laisser passer le ballon. Ok, je me rappelais plus. C'est bizarre, il n'y a pas de son de ballon. Après, c'est peut-être parce que. Ne dis pas que le ballon, c'est comme les sifflets, c'est considéré comme de la musique. J'ai remarqué en fait, les sifflets, si je les entendais plus, c'est parce que je mets la musique à zéro. Parce que si je laisse la musique, YouTube. Ben voilà, Google il m'éclate en fait. Mes vidéos elles sont supprimées. Donc je suis obligé de mettre la musique à zéro. Mais dans le jeu, tellement c'est bien fait en fait. Les sifflets, c'est considéré comme de la musique. Donc du coup j'entends plus les coups de sifflet. C'est complètement idiot. Et c'est depuis je sais plus quelle FIFA ils ont fait ça. Ils ont décidé de mettre des sifflets dans la musique. Bon, Electronic Arts, on vous aime bien, mais arrêtez s'il vous plaît, parce qu'après on vous aimera plus. On vous aime bien, non en fait. En fait, moi je pense qu'Electronic Arts, de toute façon, de base, ils m'aiment pas, vu que je joue pas à FUT. Et vu que je mets pas le moindre argent dans leur jeu, à part acheter le jeu, je suis pas à FUT et j'y joue pas. Donc je pense qu'ils m'aiment pas. Ouais, c'était parti là. Oh, Bouba Camara. Boum. Mais c'est quoi ce gardien? Il arrête tout? Retafé, ils ont qui comme gardien? Dimitri Payet. Morgan Sanson. Je ne sais pas, je ne sais guère. Bon, les corners. Oh. J'ai failli mettre un but à l'arrache. Vous voyez, vous avez vu le coup de sifflet? On ne l'a pas entendu. Parce que le jeu le conseille. Parce que si je mets la musique. Attends.
J'espère que cette musique, c'est pas une musique copyright. Parce que je suis censé avoir coupé la musique. La période, et là, il me fout de musique. Je comprends rien. Je comprends pas ce jeu. Voilà, je le comprends pas. Par contre, des coups d'épaule, ça, t'inquiète même pas. On les comprend, on les maîtrise. Ballon, qui est rendu au camp adverse. Ça serait bien de marquer un but. Parce que je les sens mal, Retafé, là. Je les sens très mal. Je sens mal le sale coup du but qui sort de nulle part. Ah ouais, ça c'est bien. Sur l'aile. En fait, j'appuie sur B pour appeler un défenseur. Mais je me rends compte que c'est pas dans ce jeu qu'il faut que ça marche comme ça. Je me trompe de jeu. Boubacar Camara. Dimitri Payet. Ah, ils connaissent son nom au moins. C'est bien. C'est pas mal. J'avais appuyé sur A. On peut plus appeler des défenseurs en renfort. Ah, elle a du potentiel. Ils ont enlevé ça. Ça peut très bien faire un but. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Oh là là. C'était qui ? C'était Duge ? Attends, il est en train de courir. C'est qui ? Ah, c'était Duge. Dimitri Payet. Boubacar Camara. C'était pas là que je voulais la mettre. C'est pas grave. Ah, la bonne qualité de ses passes. Dario Benedetto. Valentin Rongier. Ouais, j'essaie de faire du jeu un peu. Dario Benedetto. Ouais, il se pose pas de questions. Long dégagement. Hervé Miaou, cela. Je vais te calmer. Hein. Hervé Miaou, c'est génial. Ça fait deux fois, il dit Dario Benedetto. On attend toujours de savoir à combien va s'élever le transfert. Matou. Depay en Inter. Ça, c'est les Ferrucci Garcia. Quand t'as Rudy Garcia dans ton équipe, tous tes meilleurs joueurs veulent qu'une chose, se barrer. Le plus vite possible et le plus loin possible. On a réfléchi avant de faire signer au quatrième arbitre, mais là, c'est décidé. Dario Benedetto. il est éclaté. Dario Benedetto. Ouais, c'est donc il a enchaîné 4 ou 5 Dario Benedetto. Ah, c'est génial. Dario Benedetto. Il n'a jamais paniqué au moment d'ajuster le gardien. Quel sang-froid. Oh là là, il les a enchaînés, les Dario Benedetto. Belle frappe. Intérieur du pied, au ras du poteau. Tranquille. Oh, vraiment, au ras du poteau. Bon, c'est bon, on est à 2-0. On est bien. On est Dario Benedetto. Ah, c'est bon, allez. On zappe. Maintenant, début d'écart. 2-0 au tableau d'affichage. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. On écarte le jeu. Alors juste au cas où, on est en difficulté champion. Je ne l'ai pas montré. C'est vrai. De toute façon, vous le verrez au prochain match. Ouais, pas de prise de risque. Parce que là, je vais faire deux matchs, hein, comme d'habitude. Boubacar Camara. Bouba. Dario Benedetto. Ah, il a changé son timbre de voix. Il a vu que je me foutais de sa gueule. Il a changé. Il change de possession. Il a dit un peu plus sérieusement. Oh là là. Alvaro González. Quel homme. Valentin Rogier. Non, faut pas que ça passe. Attention, elle pourrait être dangereuse. C'est qui ? Ah, j'ai cru. Ouais, il a dit Portillo. J'ai cru qu'il avait dit Manquillo. Non, Manquillo, il est pas. Attention, peut-être le centre. Il avance balle au pied. Oh. Gérard Moreno. Oh. Oh la barre. Oh là là. Oh. Qu'est-ce qui se passe ? C'est dévié. Heureusement, sinon ça faisait but. La frappe. Oh, c'est quoi ? J'ai pas réussi à me sortir de ce pétrin. Allez, le monsieur Strout. Monsieur Strout va rentrer. Oh, cet arrêt. Un arrêt mandandesque. Allez, voilà, un changement pour l'OM, Pierre. Ouais, c'est une bonne nouvelle pour le remplaçant qui va gagner un peu en temps de jeu. Mais même Strootman, il n'est pas modélisé. Je croyais qu'il était modélisé, mais non. Mais même Strootman, ils lui ont fait cette tête de souris, là, qui font à tous les joueurs. Mais c'est honteux. Tu n'as pas le droit de faire ça. Putain, les gars. Tu n'as pas le droit. Depuis 1994, ils font des FIFA. Ah, les gars, vous avez pas de sous. C'est quoi ça? Ils arnaquent tout le monde avec leur fut de merde, là. Mais ils ne modélisent pas les têtes des joueurs. Ça me rend fou. Ah, mais sérieux. Ils ont même pas modélisé. J'ai Thauvin, c'est vrai. On va faire rentrer Thauvin. Ah, mais non, mais mince là, c'est pas possible.
C'est pas possible de faire des têtes pareilles. Ouais, bien frappé ce corner. Strootman, malgré tout, il est international néerlandais, quoi. C'est pas un tocard, c'est pas. C'est contré. Après, je me dis, Camara, c'est un, bon, c'est un jeune espoir, d'accord. Rongier, c'était le capitaine de Nantes. C'est pas n'importe qui. Vous modélisez même pas, mais sérieusement. Franchement, ce jeu, si tu veux des têtes, en fait, faut jouer avec. Ronaldo, Messi, oui, voilà, c'est bon, tu prends la Juve, tu prends le Barça, ok, d'accord. Tu auras les têtes modélisées, le Real, bien sûr. Hein. Valentin Rongier. Tu prends les Qataris, les Émiratis, tu prends ces pays-là, là tu auras les joueurs. Là. Franchement. Ah, mais ça m'énerve. Ah, il m'énerve avec Electronic Arts, c'est pas bien ce qu'ils font. Angers Molina. Alors Konami, ils ont aussi ce souci de modélisation sur certains joueurs, mais en général, ils font des mises à jour. Là, je n'ai pas encore regardé. Ils font des mises à jour. Et dans les mises à jour, souvent, il y a des nouveaux visages qui sont modélisés. Ça arrive, souvent. J'ai pas vu. J'ai failli faire d'ailleurs. Quel est ta carte ? Mais là, franchement, les gars, je sais. En plus, je sais qu'ils ne feront pas de mise à jour des têtes. Je sais qu'ils ne le feront pas. Parce qu'ils en ont rien à foutre. Ce centre qui ne donne rien. Je crois en fait c'est parce que plus personne joue au mode manager, au mode carrière. Je pense que personne ne fait ça. Duge, il a pas de tête, Duge. On parle de Duge là, on parle pas de n'importe qui, on parle de Duge. International croate. Maxime Lopez. Bon, international remplaçant, certes, mais plus pour longtemps. Juge, cette année, Juge, ça devient le défenseur monstrueux que tout le monde voudra. Ce ballon en profondeur. Allez, dans la boîte, il y a du monde. C'est bien défendu. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Bien joué, ça. Qui va changer de camp. En plus, je le sais, tu vois, c'est pas un problème. C'est pas un problème récent, ça a toujours existé avec eux. Ça a toujours existé depuis les FIFA. À chaque fois, j'espère en fait, parce que là, j'ai une grosse mise à jour là, avant de jouer. J'ai une grosse mise à jour. La mise à jour, c'est quoi ? C'est encore leur truc là, leur fut. Voilà. Mise à jour pour fut. Ils font que des mises à jour pour fut. C'est incroyable. Y a pas que fut là, c'est délire. Après, je sais que fut c'est leur poule aux œufs d'or, c'est l'escroquerie ultime pour moi. Fut, je déteste ce mode de jeu. J'aime pas fut. J'aime pas. Des fois, j'y jouais, tu vois, parce que tout le monde y joue. Je me suis dit, allez, mais là, ça m'a gavé. Fut, ça m'a saoulé en fait. J'aime pas fut. Même le mode PES là qu'ils ont mis, quoique le mode PES, je le préfère parce qu'au moins on arrive à avoir quelques bons joueurs sans dépenser 600 000 euros dans le jeu. Sur mon équipe PES là, My Club là, j'ai du Messi, j'ai du Ronaldo, j'ai du machin, j'ai pas dépensé un centime, hein. C'est juste des tirages au sort, des boules et tout, mais voilà, j'ai une plutôt bonne équipe. Mais bon, j'y joue pas trop, c'est vrai que j'y joue pas. Bon, on va arrêter de rager, parce que je sais que c'est pas bien de rager sur un jeu auquel on joue, ça se fait pas. Et les gens n'aiment pas ça, voilà, je sais que vous aimez pas. I am desolated. Ah oui, j'ai déjà dit aussi. Ouais, mais là, il y a les têtes photos, bien sûr. Les têtes photos, elles sont bien faites encore. Hein. Mais les têtes photos, on s'en fout. Ce qu'on veut, nous, c'est les joueurs. Braga. C'est la finale, ça. Attendez. Parce que là j'ai Thauvin quand même. Je vois pas pourquoi il jouerait pas. Ah, Grégory Sertic, le joueur préféré de notre ami Rudy Garcia. C'est bizarre qu'il n'ait pas amené avec lui à Lyon, d'ailleurs. Il aurait dû le jeter à Lyon avec lui. Juste un truc, encore une fois, il faut que je vérifie que les sauvegardes automatiques soient activées. Voilà, on est en champion. Ah, mais il y a deux difficultés au-dessus. Ah, je pensais que c'était l'avant-dernière. Bon, ben, j'ai peut-être pas encore le niveau pour aller au-dessus. Ah, je vais sauvegarder au fur et à mesure. Parce qu'en fait...
Ouais, super, j'ai rajouté un truc, je sais pas pourquoi, j'ai appuyé sur A en fait. Ok. Je vais juste sauvegarder au fur et à mesure parce que j'ai peur de perdre ma save. Ma save en... Oh, c'est quoi ce maillot? Il y a des genres d'abdos qui sont tracés. là 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 là. Quel incroyable. Incroyable. Bon, on va essayer de faire au mieux. Oh là là, ces petites balles piquées complètement ratées. Salut tout le monde. Allez, on zappe, on zappe, on zappe. Le programme aujourd'hui avec un match qui va se jouer dans d'excellentes conditions. C'est bien sûr Pierre Ménès qui va m'accompagner. C'est un très beau programme qui nous attend aujourd'hui avec la finale du bouclier européen. L'Olympique de Marseille contre le Sporting Braga. On s'ennuie pas dans ce tournoi. Pierre Ménès. Parfait, les supporters sont chaleureux, le football est de très bonne qualité. Et en plus, on a le droit à une finale indécise aujourd'hui. J'allais dire un truc, mais ça peut être mal pris, je dirais pas. L'insulte préférée de Pierre Ménès. Jordan Amavi sera titulaire en défense avec Hiroki Sakai. J'ai failli la lâcher, là. Mais ça se fait pas. Après, Google, c'est devenu... Enfin, Google, c'est américain, Google. Donc, ils font semblant d'être très puritains, alors que c'est les premiers... C'est les premiers à balancer du caca dans le monde. Il faut semblant d'être très puritain. Il ne faut pas dire de gros mots, il ne faut pas dire d'insultes, tout ça. Bon, bref. C'est l'hypocrisie américaine. Après, c'est Google. Hein, c'est dans leur veine. Dario Benedetto. Et le bon pressing qui débouche sur la récupération du ballon. On joue en offensif. Le nouvel attaquant qui va faire ses débuts avec sa nouvelle équipe. Suarez. Ah, c'est un grand jour. Il doit montrer qu'il ne s'est pas trompé en venant ici. Oh là là, il m'a bouffé. Ah, il m'a mangé. Oh, il m'a fait deux feintes. Il m'a éclaté. Oh, quel arrêt. Ah, ça, c'est un sacré plongeon, Hervé. L'arrêt du match, peut-être. D'accord, le match vient de commencer. Il parle déjà d'arrêt du match. Ok, Pierre Merguez, il n'y a pas de souci. Il faut trouver l'ouverture. C'est un petit peu brouillon en défense. Hein. Il est mal dégagé, ce ballon. Ouais, bien joué l'interception. Mais. Allez, le centre j'arrive maintenant. J'arrive pas à défendre. J'étais en train de dire que j'arrivais pas à défendre. Et... Dario Benedetto. Payet. C'était. C'était pas ça. C'était pas ça que je voulais faire là. Mais pas du tout. Ouverture, bien sûr. Soares. Ouais, bon arrêt. Il me passe comme dans du beurre. C'est un truc de fou. Payet. Dario Benedetto. Boubacar Camara. On trouve là-haut. Sanson. Je t'ai vu. On cherche la faille dans la défense adverse. Après, Camara, c'est pas son jeu, ça. Il n'est pas là pour ça, lui. Ça doit être mais... Après avoir bien pressé l'adversaire. Un quart d'heure tard. Soares. Camara, c'est pas son jeu, ça doit être mais. Non, elle est interceptée cette passe. Mais. Ça doit être Rongier plutôt. Ouais, Rongier et Sanson qui doivent monter. Plutôt que Camara. Camara, faut vraiment qu'il reste. L'équipe adverse. Leur jeu. Ah, le ballon qui est donné en profondeur. Leur jeu. Ouais, hors jeu. Si ah là jeu. Là. Il était hors jeu. J'ai mis un peu trop de temps en fait. J'ai mis beaucoup trop de temps à lui donner le ballon parce que sa course était bonne. C'est exactement ce qu'il fallait faire là. Ok, non mais Camara il a un problème de. Il ne maîtrise pas le ballon, il le perd. Le tank Electronic Arts se rende compte que Camara peut jouer en 6 et que c'est pas juste un défenseur central. Du coup, qui lui monte un peu ses stats en 6. Eh bien, bon, pour attendre, FIFA 2048. Voilà, c'est à ce moment-là, Camara, il sera à la retraite. Ah, il sera plus joueur de foot. Ça sera un entraîneur. Je rage beaucoup contre FIFA. Hein. Oh là là. Quel jeu incroyable. Le tireur qui a visé la zone du point de pénalty. Ah, ça c'est bon ça. Ça c'est bon ça. C'est par, 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 par. Oh là là. Oh. J'étais pas hors jeu. J'étais hors jeu. J'étais hors jeu. Waouh. J'étais hors jeu.
dommage. L'occasion était belle, hein, parce que là, parti du milieu de terrain, il suffit de mettre 500. Deux accélérations et c'est bon, t'es devant les cages en 2 secondes. Et ensuite, il n'y a plus qu'à. Dario Benedetto. Paligna. Je suis pas fan de ma caméra là. Alors Pierre, on va vivre la finale du bouclier européen. C'est un premier titre à empocher dans la saison, donc. Voilà, ouais, mais surtout, est-ce que t'as gagné les c'était quoi déjà les FIFA eSport League Games là, c'était ça non qu'on a gagné début de saison. Non, mais qui peut mettre ça? Qui a ça son palmarès? Sérieusement, personne. Samson. C'est mal donné. C'était mal donné. Paligna. Les EA League Games, je sais pas quoi, là, un truc bizarre là, qu'on a gagné cet été. C'était pas mal ça comme compétition. Voilà, qui est perdu, peut-être un je pense que c'est du niveau du bouclier européen. Hein. Oh là là. Trouver l'ouverture là. Ah mais. Oh, c'est dévié. Heureusement, sinon ça faisait but. Ouais, j'en ai bien l'impression. Ferme là. Ouais, pour l'instant, on a du mal à voir comment ces deux équipes vont pouvoir faire la différence dans ce match. Je suis pas bon au jeu de tête. Moi, j'ai jamais été bon au jeu de tête dans le jeu de foot. C'est incroyable. Jamais été bon à ça. On écarte le jeu. Personne au marquage. C'est un bon ballon. Oui, bien sûr. C'est un bon ballon. Il a mal jugé la trajectoire. Yao, heureusement que tu étais là pour nous dire que c'était un bon ballon. Parce que sinon, j'aurais pu croire que c'était un bon ballon. Sinon. Et quand il a dit c'est un bon ballon, j'ai compris direct. C'est un ballon complètement éclaté. Dario Benedetto. Ballon perdu d'un côté, récupéré de l'autre. Attends, je suis en train de regarder. Il est où Tovin en fait? Il se positionne où là dans mon équipe? Parce que je crois que je sais pas s'il a touché un ballon. Bon. En profondeur, oui, bien vu. Non, un chouïa trop tôt. Et l'arbitre Roger Lopez. Bien vu, il y avait Roger. Mais non, Roger, c'est un monstre, les gars. Arrêtez. On voit que c'est bien arbitré parce que ça va vite et que ça. Roger, il est monstrueux. Après, Lopez, il est bon aussi. Mais Roger, dans son rôle, c'est un monstre. Faut arrêter de vouloir me le sortir. On est à 40 minutes. Il veut me le sortir déjà. Et 2 minutes seulement ont été ajoutées par l'arbitre. Ricardo Esgayo. J'ai envie d'envoyer un tacle glissé et de casser des jambes. J'ai envie. Il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Parce que cette équipe-là contre qui je joue, il m'énerve avec leur armure du Sagittaire. Là. Suarez. On cherche des solutions là. Mes joueurs, ils glissent. Là, en fait, mes joueurs glissent. J'ai l'impression d'être dans un niveau de glace dans Mario. Qu'il a été dévié. J'ai l'impression d'être dans un niveau de glace dans Mario là. Il y a une inertie complètement folle. Le joueur, quand il court pour les arrêter, j'ai l'impression qu'il glisse. après, c'est normal qu'il ne s'arrête pas. Qu'il s'arrête pas instant. Hein. Je ne demande pas à ce qu'il s'arrête instant, bien sûr. Mais quand même, que, je sais pas, là j'ai l'impression qu'il glisse. Je sais pas, c'est une impression bizarre. Paligna. Attends, il s'est fait une tête tous. Il s'est fait une passe. Au camp adverse. Il s'est fait une passe en fait, mon joueur là. C'est incroyable ça. C'est du jamais vu. Un quart d'heure tard. C'est du jamais vu dans le niveau du football moderne. C'est du jamais vu ça. Je vous le dis. Bonne intervention parfaite. Un bon anticipation. Ah, mais c'est quoi ça? Attends. On met de l'ultra-offensif. Là c'est qui tout double. Hein. Je vous le dis. Ah non, c'est pas bien fait ça. Si on perd, c'est parce que j'ai mis de l'ultra-offensif. Bonne lecture là pour intercepter c'est un choix de coach, d'accord? C'est un choix de coach. Attention, il peut centrer. On prend des risques parce que là on voit qu'on n'y arrive pas. C'est pour le gardien ce ballon. Mandanda, il est allé tranquille, il a pris tout son temps. Incroyable. Dimitri Payet, interception. C'est du jamais vu dans le football moderne de Ligue 1. Ouais, c'est une récupération qui ne doit rien au hasard. Il y a eu un gros pressing sur l'adversaire efficace. Ouh, il commence à me saouler lui. Soares essaye de trouver la faille. Allez, dans la surface du monde. C'est moi qui la sors. Ne donnera rien, non, ça passe très loin du cadre. Ah non, c'est ouais, mais il la reprend mal, donc du coup c'est sans danger pour le gardien. Et l'entraîneur qui abat ses dernières cartes avec ce changement, manifestement il veut gagner ce match.
En fait, Thauvin, il est trop sur l'aile. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait? Oh, c'est bien donné en profondeur. Que... j'attendais quelqu'un sur le côté, là, il est jamais venu. On joue une ultra offensive, on joue pas en Ligue 1, là, on joue en Ligue des Champions, là, les gars. Morgan Sanson, Dario Benedetto. Allez, oh, c'est. Oh là là. Oh, cette frappe qui part de nulle part. Dimitri Payet, non, Payet, on le garde. Pour lolo, cette frappe. Elle est sortie de nulle part. Et elle est allée nulle part. Là, j'ai. Oh. La tête qui rate le cadre. Et pas qu'un peu. Oui, absolument. Ah, je vais. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est dommage pour l'entraîneur, il aurait bien aimé que le ballon aille au fond et on peut le comprendre. Ouais, pas terrible ces stats. Hein. D'ailleurs, les supporters se demandent si leur équipe va faire la différence aujourd'hui. Pour moi, ça manque surtout de conviction. La dernière recrue du Real Madrid a été officialisée. Pjanic. Ah, oui, Hervé a noté que le montant de la transaction aurait atteint une somme astronomique. Valentin Rongier. Boubacar Camara. Cette accélération. Mais carrément à l'adversaire. C'est bon, j'ai. Florian Thauvin. Oh, dommage. Oula, il est pas passé loin. J'étais quasiment passé. Oh, ce tacle. Oh, magnifique. Oh, ce tacle glissé. Et ballon récupéré. Thauvin. Ouh, ça cherche les petits espaces à la profondeur et tout, et ça trouve rien. Ouais, l'entraîneur qui préfère revoir ses plans pour la suite du match. Non, mais ça. Le gardien qui préfère boxer ce corner. Et il dégage. C'est pas bon ça. Ça sent mauvais. Interception défensive. Ça sent mauvais. Je sentais le ballon en profondeur. Hein. C'est hyper facile. Solution, là. Un bon ballon qui va peut-être retrouver. Oh non. Ah, c'est contré. Oh là là. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Il sait plus où est le ballon, Camara. Il court en marche arrière aussi vite qu'en marche avant. C'est incroyable. Alors, ce joueur est un monstre. Contre-attaque. Mais. Ah, la passe est interceptée. Le ballon est perdu. Ouais, c'est joué par-dessus. Faut trouver une ouverture. Oh, bien joué. Qui repousse ce ballon. C'est oh là là. Ouais. Ah, j'espère que ce n'est pas ce qu'il a voulu faire. Parce que... Camara m'a gavé. Camara en 6, ça le fait pas dans. Je sais pas. Ça le fait pas dans ce jeu de mort là. Ça le fait pas. Je sais pas pourquoi. Ce jeu, il veut pas que Camara joue en 6. D'accord. Bah écoute, tu veux pas. Oh, ça c'est bon ça. Oui, bien donné. Cette passe en profondeur. Allez. Oh là là là. Il permet à son équipe de prendre la cette finale. OK, la célébration. Allô, bonjour. Oui, c'est pour une célébration abusive. On avait quand même l'impression que cette équipe était complètement. C'était quoi ça? C'est quoi cette célébration? Bon, c'est pas grave. La passe en profondeur était magnifique. On va arrêter de jouer en ultra offensif, je pense. Les ballons, mais sur cette action, ils ont joué le coup à fond. Bah ça c'est bien ça. C'est bien, c'est parfait. On a signalé ce truc. Donc on fait un rapport de bug à Electronic Arts qui ne corrigera bien entendu pas cette célébration complètement éclatée parce qu'ils en ont rien à foutre. Sanson, au moins il est modélisé. Voilà, il est reconnaissable, au moins. Tu vois, c'est au moins ça. Et c'est l'OM qui mène au score. Ouais, on va rester en offensive quand même. On n'est pas Guingamp, on n'est pas Toulouse, nous. On n'est pas Toulouse, hein. On joue pas en défensif là. Pour l'adversaire. On joue pas pour pas perdre, on joue pour gagner. Ah ouais, c'est bien fait ça. Ah, la faute. Et là, c'est gâché. Ah, y'a pas. Ok. On en veut un peu à l'arbitre de ne pas avoir accordé le pénalty. Y'a pas la VAR là, non? On en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Y avait un jeu de foot, je sais plus c'est lequel, où on pouvait simuler les fautes. C'était complètement délirant. En fait, tu pouvais faire semblant de tomber. Idéalement placé là pour le centre. Ils l'ont fait. Je crois pas que c'est PES. Je pense pas que PES ils osaient faire ça. Je sais plus quel jeu en fait.
Je sais pas si c'est un jeu. Vous savez, à l'époque, il y avait plein de jeux de foot temporaires là, qui sortaient. J'ai complètement éclaté là. Je coupe du monde, Morgan, je sais pas quoi. Ah, il prend le ballon, c'est bien joué. Ah, je me disais, c'est qui ce joueur qui n'est pas fatigué? C'est Monsieur Strout. Les dernières minutes qui risquent d'être très longues parce qu'ils ne sont pas à l'abri d'une égalisation. Ah, ils ne maîtrisent pas le ballon, ils le perdent. Monsieur Strout, t'es en forme, mon gars. Tu dois montrer que tu viens de la Strout. Ah ouais, 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 d'accord. Mais dis pas qu'il apprend. Il apprend pas. Hein. Ok, ouais, d'accord. La j'ai pas voulu y aller. Et pourquoi il fait rentrer un défenseur supplémentaire? Alors qu'ils sont parce que c'est Toulouse. Voilà c'est pourquoi. Idée, on veut dire que ça coûte poker. Parce que c'est Toulouse. Et ça joue pour défendre. Même si ça perd 4-0, ils vont jouer pour défendre. C'est complètement éclaté, ça. Ouais, très bon ça ne doit pas exister. Non, mais c'est pas à cause de l'équipe, c'est à cause de l'entraîneur. Ouais, c'est Camboré. C'est un entraîneur complètement éclaté. De partout où il joue, les mecs, son but, c'est de pas prendre de but. Même s'il perd 8-0, il va faire entrer un défenseur, il va sortir des attaquants. En fait, bref. C'est ni fait ni affaire dans le monde des affaires. Voilà. Lorient Tovin. On t'a pas trop vu, Hiroki. Hiroki Sakai. Allez, le centre à venir. Ouh. Pourquoi il a pas fait un petit. Une petite talonnade là. Ouais, j'en ai bien l'impression. Comme quoi, ça se joue. Ah oui, il fallait appuyer sur la. Sur R, la touche L là. LB ou LT là, je crois, et non voilà, c'est terminé. Pour faire une frappe instinct. C'est la victoire. Ça. Et c'est la victoire, mais bien sûr. Quelle déception pour les vaincus. Ouais, on voit quelques joueurs déjà qui restent au sol. C'est toujours difficile de perdre dans ces conditions. Et la joie collective de cette équipe. Qui est moi, je pense qu'ils ont raison de rester au sol. Ils semblent ne pas réaliser ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils ont fait maintenant, puisque c'est acquis. Regardez cette belle scène de joie collective dans le rond central. Ouais, ça sent la bonne chouille ce soir, Hervé. Ouais, hein. C'est clair, c'est clair. La bonne chouille. Vas-y. Pas des deux côtés. Hein. Ah, ça y est, c'est fait. Il s'impose dans cette finale. Il remporte la coupe. Énorme résultat qui vient couronner un parcours absolument fabuleux. Ah, ce pétard, il m'a fait sursauter. Mais il fallait profiter. Le feu d'artifice, ce pétard, là, je m'y attendais pas. Il fallait serrer les rangs au bon moment. Et c'est ce qu'ils ont réussi. Ils sont heureux, ils le méritent. Wow. Incroyable. Allez, la petite photo pour l'éternité, parce qu'on ne se rend pas compte quand on vit des moments comme ça. Ça, c'est la photo que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, la photo officielle que les gens regarderont. Hein. Ouais, ouais, les joueurs font les marioles, mais c'est une photo qui est là pour l'histoire. Comment ça, ils font les marioles? Il est vraiment Perménez est insupportable. Faudra que je trouve un moyen de virer ça parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Perménez, c'est pas possible. C'est plus possible en fait. Je le supporte plus, ce bonhomme là. Je ne supporte plus le Perménez. Okay, bonjour à Rives Boas. Félicitations pour vos résultats. Ok, dotation. Qu'est-ce qu'il m'a donné 3 millions. Ah, ma courte, t'es un rat. Tu m'as donné 3 millions pour la meilleure. Ok, d'accord. C'est pas grave. On retient. Alors, on fait progresser les mêmes. Hein. C'est pas... On va faire progresser les mêmes, on verra bien. Moi, ce que je veux, c'est en fait, c'est surtout les petits jeunes. C'est les jeunes qui doivent progresser, en fait. Stop. Merci. Dirigeant Everton. Attends. Everton, vous voulez Sakai? Attends. Voilà. Merci. Non, j'aurais dû faire ma technique, en fait. Je tiens d'avoir mis la mission en France, touche à sa fin, voir carte FR. Hein? Ah, c'est mon réseau de recrutement. Ok. Je comprenais pas. En fait, je comprenais pas c'était qui et qu'est-ce qu'il me voulait, lui. C'est mon recruteur. Ok. Pourquoi pas? Alors, Liadji, tu vas faire ça. J'ai envie de faire progresser Liadji. Je vais faire progresser. Je vais changer ma strat. Je vais faire progresser deux joueurs. Liadji. Coup de pied arrêté. Et je vais faire progresser un gardien. Un jeune gardien, Dia. Parce que je vais bientôt plus avoir de gardien en fait. C'est pour ça que j'essaie de préparer. Si je peux éviter de recruter un goal, ça serait pas mal. On va essayer de faire progresser ces deux joueurs le plus vite possible. Et parce qu'ils sont sur une phase montante les deux, je crois. Ouais, ok. Transfert, réseau de recrutement.
Ah, j'ai tout ça en réseau, quand même. Alors, qu'est-ce qu'il m'a trouvé, ce jeune Subasic, 34 ans. William Goebbels. Non, oui, Goebbels. Ah, c'est le petit jeune là qui était à Lyon, je crois, non? Ça va être ça. N'est pas supervisé. Clause de libératoire, aucune. On va voir combien demander de superviser. Supervise-moi ça. Est-ce qu'il y a des... Ah oui, d'accord. J'ai carrément oublié ce truc-là. Ok, c'est vrai qu'on a, on a ça. Ibrahima Nyan. Quoi? Alan Zamorado? 38 ans. Wow. Kali Mwendo. Arnaud Kali Mwendo. Ok. Timothée Wea. Tac, tac. Lia Ezeka. non, mais ça, c'est pas possible. Il a pas ses stats, Lia Ezeka. Lia Ezeka, c'est un des joueurs les plus éclatés de la Ligue 1. C'est le petit frère à Batshuayi. On n'oublie pas. On n'oublie pas qui. Hein? Lui, attends, vous avez vu son potentiel ou pas? Attends, vous avez vu le potentiel ou pas du petit là? Ah, non, moi, ça m'intéresse énormément. Le potentiel du petit, il est incroyable. Mais c'est incroyable ce potentiel. D'où ça sort ça? Lafond, c'est pas mal. Lafond, j'aime bien ce gardien en vrai, moi. Est-ce qu'on supervise Lafond ou pas? Par contre, il est à Nantes. Cause de libération, aucune. Alban Lafond, on va voir. On verra bien. Alors, Gilles Vallée. C'est notre petit Vallée. C'est Gilles ou Timo Werner. Forcément, Timo Werner. En fait, j'en ai un peu marre de le prendre. À chaque fois, je le prends parce qu'il va très vite. Et j'ai pas envie de le prendre tout le temps, en fait. Mais j'ai envie de le prendre. On va le laisser se reposer. Moussa Kone, mais ils ont des potentiels de fou au niveau vitesse. J'ai plusieurs buteurs qui ont des potentiels incroyables en vitesse. Ils ont des gros potentiels de vitesse, donc on verra ce que ça va donner. Un DG Plattenhardt. 27 ans. On va voir ce que ça donne. Hein. On verra. On va voir ce que ça va donner. Yvon Mvogo, il joue à Leipzig. S'il joue à Leipzig, c'est que c'est un potentiel incroyable. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Leipzig, ils ont un réseau de recrutement de fou. Donc, s'il y a un joueur qui est chez eux, c'est qu'il y a une raison. Cristiano Ronaldo. bien sûr, ouais, Cristiano Ronaldo. J'allais t'en parler de Cristiano, justement. J'allais te faire un petit mot sur lui. Non, c'est bon. Ce réseau, il est éclaté. Et lui, Marvin... Ok, d'accord. Ok, on va voir si on a des nouvelles. Offre de transfert pour Germain. Vous savez ce qu'on va faire? On va changer la strat. On va faire négocier. D'accord, on va négocier. On va faire une... Ça, je m'en fous. Alors, ajouter clause de revente, proposer un nouveau montant de transfert. Parce que c'est ça qu'on veut, nous. Donc, ce qu'on va faire, modifier. Elle a dit, tu m'as pas demandé. 60. Tout mettre là. Ouais, attends, c'est Valère Germain. C'est Valère Germain. Les gars, c'est Valère. Je suis désolé, il y a un énorme écart. Eh ben tant pis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ne reviens plus. Voilà. Tant pis pour toi. Tant pis pour vous. Vous savez pas à côté de quoi vous passez. Là, on parle de Valère Germain, les gars. Alors, rapport final pour un. Ok. Alors, Alban Lafond. Il a 70. Ah, il a 79 de général. Il a combien? Plongeon, 80, jeu au pied, c'est nul, placement. Ouais, d'accord. Jeu à la main, c'est éclaté. Il est éclaté dans le fond, c'est dommage. Bon, on verra plus tard, Alban. Désolé, moi, Alban, mais c'est pas pour aujourd'hui. On va simuler ça en espérant que Jay passe les. Bon, Jay, il est à 59. Jay, il est loin. Il est loin dans le passé, Jay.
Ça va être compliqué pour Dia aussi. Offre de transfert, Tottenham est un Hiroki Sakai. Ils m'ont saoulé. Rejeté. Parce que les négociations, ça prend trop de temps. Parce que je sais qu'ils vont les refuser. C'est trop long. Leur nouveau truc, là, il est sympa, mais il est long. Conférence avant match. Complimenter, motiver, critiquer, sympathiser, calmer. Mais t'inquiète même pas, on y va. Merci à vous d'être ici. Nous allons pouvoir commencer. Ils auraient dû mettre Elodie. Est-ce qu'ils auront un impact sur le premier match? Les joueurs doivent se caser sur la victoire. Il y a beaucoup de qualité dans l'invention. Son travail est de qualité. Le son est très fort, je ne sais pas pourquoi. L'équipe saura-t-elle gérer la pression et qualifier pour l'UEFA Ligue des Champions? Une grosse pression à notre portée. À ma vie a débuté une nouvelle saison, donc on s'attend à le voir davantage sur le terrain aujourd'hui. Je m'en tiens à ce qui marche, il se fait remarquer. C'est un exemple pour ses partenaires. Très heureux. À ma vie, le président, c'est un... Okay. Merci, c'est terminé. Nous espérons avoir répondu à vos questions. Au revoir. C'est Elodie Malatré. Ils auraient dû prendre sa voix direct. Ah, mais en même temps, ils ne peuvent pas le faire pour tous les clubs. C'est vrai qu'Elodie, on la connaît parce qu'elle est à l'OM. Mais... Alors, Marvin. Mon petit Marvin. Ah, t'as 76 de général, toi. On va viser le 80 de général, les gars. Moi, je vous le dis. Attends, c'est une bombe atomique niveau vitesse, mais niveau jeu, c'est un peu. Ah, c'est un gardien. Ouais, je me disais, il va pas vite, mais forcément, c'est un gardien. 80. Ah, les gardiens, c'est pas fou. Hein. Alors, Moussa Kone, 69, pareil. Il va très vite, mais c'est. En fait, c'est des Clinton NG, en fait. C'est ça, hein, c'est du Clinton. C'est du Clinton. Ah, c'est pas terrible. Hein. Mais j'ai que des Clinton NG là, c'est un truc de ouf. Attends, Subasic, il a des stats aussi éclatées. Ah, mais ça veut dire que tous les gardiens ont des stats pourries en fait. William Goebbels, j'ai vu. Gilles Vallée. Attends, qu'est-ce qu'il me dit lui? Tu as vraiment mis sur la main, touche à sa fin, je suis pas sûr de trouver. Ah, d'accord. J'étais plutôt. J'espère que vous allez me mettre sur le banc pour me voir qu'on avance. T'inquiète pas, mon pote. Tu vas jouer. Il va jouer. C'est bon. Alors, réponds. Ah, je dois répondre. De grands matchs nous attendent. Des matchs importants nous attendent. Et d'ici là, j'ai besoin que tu sois en super forme. Ça, c'est intéressant. Voilà, ça, Electronic Arts, vous avez fait un bon truc. Là, on peut pas dire le contraire. D'ailleurs, on va le mettre directement, Boubou. Mon petit Boubou. C'est quoi cette icône qu'il a, lui? Ça veut dire quoi, cette icône? Touche longue titulaire, hein. C'est quoi ces icônes? Je comprends pas l'icône de la tête avec. On dirait il vomit. Mais c'est quoi cette icône? Ou bien ça veut dire qu'il est très heureux? Non, il peut pas être très heureux alors qu'il est sur le banc. Non, je sais pas. Heureux. Ah ben j'ai qu'à. Attends. Alvaro, il est content. Très heureux. Ah, c'est très heureux. D'accord. C'est très heureux. Ok. Ah, mais il y en a, ils sont pas contents. Pourquoi vous n'êtes pas content, vous? Bon, c'est pas grave. Voulez-vous... Oui, yep. On vous dit à la prochaine, les amis. Portez-vous bien. Bye bye.